D'un petit menuet qu'il avait composé un soir, ici même. Comment était-ce donc ? Ah, que c'est bête ! Je l'entends et je ne peux pas le... Mais lui, je le revois, c'est drôle, en ce moment, si menu, si charmant dans son habit de satin rose. Quand on lui demandait de jouer quelque chose, il ne disait pas oui tout de suite, jamais, car il voulait savoir si d'abord on l'aimait. Quand on lui disait « joue », il vous prenait entre ses bras, se pressait contre votre joue et vous disait tout bas, avec un son de voix d'une douceur extrême, « je m'en vais te jouer tout ce que tu voudras, mais dis-moi d'abord que tu m'aimes. » Voici Mozart, madame. Oh, quelle surprise! Il est ravissant!
Sa taille est bien prise. Et son œil qui frise est très caressant. Sa bouche est exquise. Les voilà conquises, c'est l'adolescent. Quel charmant visage. C'est presque un gamin. Comme il a l'air sage. Il sait les usages et baise la main. Mais que nous présage un tel examen? Ce n'est un plaisir infini, monsieur, de vous accueillir ici de mon mieux. J'ai gardé de vous un tel souvenir, si rare et si doux. Je revois encore à ce clavecin sur quatre coussins votre petit corps si mince et fragile. Et quant à vos mains, papillons agiles et prodigieux, c'était la merveille. On en frémissait et l'on en pouvait croire ses oreilles, ni croire ses yeux. C'était merveilleux. Que c'est loin déjà. Nous avons changé. Vous êtes moins jeune et moi plus âgé. Pour cette raison, du moins, je peux certes vous dire aujourd'hui que cette maison, le jour et la nuit, vous est grande ouverte. Oui, sortez, rentrez, prenez vos repas, ne les prenez pas selon votre gré. Et mon Dieu, surtout, ne vous gênez pas. Vous êtes chez vous. Je suis très timide et je sais très mal employer les mots qui diraient si bien tout ce que j'éprouve. J'ai le sentiment que, pour bien répondre à l'accueil charmant que vous m'avez fait, les mots sont tout près, je les sens, c'est vrai, qui gonflent mon cœur. Mais je n'ose pas les laisser sortir, ils me font si peur. Laissez-moi me mettre à ce clavecin. Il se peut très bien que je puisse ainsi vous dire merci moins mal. Presque bien. C'est facile, ce langage si me paraît docile à côté de l'autre, mes mots sont précis autant que les vôtres, précis à tel point que devant tes mots je puis au besoin proclamer des choses. Mariage de Figaro. Oh, vraiment? Peut-être, oui, mais nous en reparlerons. À propos de théâtre, figurez-vous. Oh, ce qu'elle est jolie, votre servante, madame. Elle est exquise. Oui, figurez-vous, monsieur le baron, qu'en quittant Mannheim, ce bon monsieur Weber m'a fait cadeau des œuvres complètes de votre Molière. Vous connaissez son Don Juan? Ah oui. Eh bien, moi, je ne le connaissais pas et je l'ai lu dans le coche entre Strasbourg et Paris. Voilà un beau sujet à en mettre en musique. Don Juan. Oh, quel personnage. Ah, être aimé. Tenez, Don Juan, moi, je le vois un peu comme ça, très... Thank you.
Qu'est-ce que c'est? Madame n'est pas là? Mais vous le voyez bien qu'elle n'est pas là. Oh! Mais elle vous a! Mon Dieu, qu'il est comique, ce garçon! C'est un grotesque! Vous avez eu l'air de le détester comme s'il vous aimait. Il y a un peu de ça. Allons donc. Oui, mais voilà que je me mets à le détester davantage. Pourquoi? Parce que, depuis qu'il est venu, vous avez cessé de me tutoyer. Ça te manque? Beaucoup. Alors, tu m'aimes? Ah, vous me plaisez d'une façon extraordinaire. Oh, je ne m'en demande pas tant. Je veux seulement que tu m'aimes et que tu penses à moi. Bonjour, madame. Bonjour. Entrez, mademoiselle. J'ai voulu m'offrir la primeur du ballet que Mozart vient de composer. Et j'ai fait demander à mademoiselle Guimard de bien vouloir en faire ici la répétition. Monsieur Vestris. Avec son partenaire. Qu'il entre. Vous ne nous chassez pas, marraine. Oh, voyons, quelle idée. Je ne me vois pas bien te faisant cette peine. Grimaud, venez m'aider. Nous allons tous nous mettre ici afin de leur laisser assez de place pour danser. Encore un peu. Très bien. Merci. Cela me fait un plaisir fou. Aimez-vous à ce point la danse? Vous n'êtes pas jaloux, je pense. À ça, je vous préviens d'avance que je déteste les jaloux. Je vous verrai ce soir? Hélas, non, pas ce soir. On vous enferme ici? Non, mais j'ai du travail. Alors demain, sans faute. Écoutez, franchement, je ne crois pas non plus que je puisse demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce un congé, mon cher? Non, mais figurez-vous que je connais quelqu'un qui meurt d'amour pour vous. Or, je vous aime assez pour ne pas vous laisser manquer l'occasion qui va se présenter d'ici peut-être une heure. Ah ça, plaisantez-vous? Du tout, n'ayez pas peur, attendez. C'est Mozart qui meurt d'amour pour vous, alors, hein, vous pensez? Sitôt que je l'ai su, je me suis dit, mon Dieu, elle ne peut manquer de s'en apercevoir. Et comme justement il est irrésistible, elle ne pourra pas longtemps lui résister. Pour moi, c'en est fini, je ne peux plus lutter. Quand on n'est pas de force, il faut être malin. Si je cède la place avant que le malheur ait couronné ma tête, eh bien, j'ai l'air moins bête. Or, je préfère ça de beaucoup, n'est-ce pas? C'est un raisonnement qui peut surprendre un peu, qui peut paraître fou, mais pensez-y, ma chère. Examinez-le bien et vous verrez qu'il tient parfaitement debout. C'est lui qui vous a dit qu'il me mette à ce point? Il me l'a fait comprendre assez naïvement. C'est à vous de brusquer les choses maintenant si vous ne voulez pas qu'elles en restent là. Ne comptez pas sur lui, c'est le timide même, et je le connais bien. Vous n'en obtiendrez rien si vous ne faites pas la moitié du chemin. On peut vous charger, vous, d'un soin si délicat. Si la Guimard ne savait pas faire les premiers pas, que deviendrions-nous, madame, n'est-ce pas? On n'attend plus que vous, monsieur, pour commencer. Mais je ne savais pas que mes deux interprètes étaient ici déjà. Bonjour, bonjour, bonjour. Eh bien, mais commençons. Le 4, n'est-ce pas? Les trois premiers que nous passons, ce sont les numéros d'ensemble. À votre entrée, à tous les deux. Maintenant. À vous, monsieur Vestris. Mmh.
numéro 6 maintenant. Voulez-vous me permettre ? Non, je voudrais... Pardon. Mademoiselle, est-ce indiscret de vous prier de bien vouloir tenir le clavecin pendant que nous dansons ? Tenez, c'est là. Pardon. Vous pouvez lire ? Mais très bien. Pourtant, mon écriture est mauvaise. Mais non. Merci. Recommençons. Je voudrais vous montrer comment je vois l'entrée. C'est ravissant. C'est merveilleux. C'est adorable. C'est parfait. Vous êtes courageuse et c'est très bien. Merci. Tout m'arrive à la fois. Le succès, le plaisir, l'amour et le bonheur. Et puisque les messieurs ne nous écoutent pas, laissez-moi vous ouvrir mon cœur et partager toute ma joie. Quelle journée! Venez, 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 venez. Je m'en vais vous lire tout bas une lettre que j'ai reçue aujourd'hui de Manaï, de là-bas. Elle est exquise. Écoutez bien. Depuis ton départ, mon amour, depuis, hélas, de si longs jours, ma pensée ne te quitte pas. C'est de ma fiancée que j'ai laissé là-bas.
prendrai donc toujours coquine. Matustoff va me dire par hasard que je t'ai pas vu lui faire des signes à ton petit monsieur Mozart. Alors ce que je dis, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, tu n'en veux faire qu'à ta tête. Et les promesses que tu m'as faites, tu t'en moques bien. Ah si c'est ça le mariage, ah si c'est ça la vie à deux. Je comprends tous ceux que ça décourage, et qu'aimerait mieux, et qu'aimerait mieux, et qu'aimerait mieux être seul que deux. Oh mais faut pas que tu t'imagines que c'est comme ça que ça va se passer. Si tu ne te veux encore de coquine, moi j'en aurai bien vite assez. Tu m'ordonnes et tu me défends, tu me surveilles constamment et tu m'épies. Oh mais tu sais que ça m'ennuie énormément. Ah si c'est ça le mariage, ah si c'est ça la vie à deux. Je comprends pourquoi il y a tant de ménages où l'on est trois au lieu d'être deux. Où l'on est trois au lieu d'être deux. Ah si c'est ça le mariage, ah si c'est ça la vie à deux. Je comprends tout ça, ça découvre. Et qu'aimerait mieux, et qu'aimerait mieux être seul des deux. La vérité, vous savez bien que l'on en peut dire le tiers. Il faut la dire tout entière. La vérité, vous savez bien, la vérité, c'est tout pour rien. Si je vous dis, oui mon ami, ce crime, oui je l'ai commis. Pour être franche tout à fait, j'ajoute, mais je le regrette infiniment. Oh, et les choses en restent là, fatalement. La vérité, vous savez bien, la vérité, c'est tout pour rien. Si je vous dis, non mon ami, non, non, je ne l'ai pas commis. Pour être franche tout à fait, j'ajoute, mais je le regrette infiniment. Et ça devient évidemment très délicat. La vérité, vous savez bien, on peut dire le tiers, il faut la dire tout entière. La vérité, vous savez bien, la vérité, c'est tout ou rien. À quelle heure m'avez-vous dit que partait la diligence ? À 6 heures. C'est bien. Je partirai ce soir. Tiens, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Fort bien. Dois-je vous dire adieu maintenant ? Oh, mais je compte bien vous accompagner jusqu'à la diligence. Pour être bien sûr que je pars. Alors, voulez-vous que je passe vous prendre ici tout à l'heure ? Je vous le demande même. Bien. Je vais vous revoir, n'est-ce pas ? Mais quoi, vous partez donc ce soir ? Eh oui, je pars. C'est brusquement ? Hélas ! Oui. Hélas, comme dit Monsieur de Grimm. Vous partez pour Salzbourg ? J'irai peut-être à Vienne. Et que voulez-vous, c'est ainsi. Car il faut, à la fin pourtant, que j'en convienne. Paris n'a pas voulu de moi cette fois-ci. À 7 ans, l'on considérait ici que j'étais maître dans mon art. Sitôt que j'entrais quelque part, on me portait au clavecin. Et dès que j'avais fait 3 gammes, il fallait voir toutes ces dames qui me pressaient contre leur sein. J'avais un avenir, paraît-il, insensé, inouï, fantastique et même inquiétant. J'ai beaucoup travaillé, je reviens, j'ai 20 ans. De quoi me parle-t-on ici ? De mon passé. Certes, on me fait encore un accueil amical, mais les gens sont un peu surpris. Un jour de plus, monsieur de Grimm, donnez-moi, dites, un jour de plus. C'est impossible, mon enfant, et vous le savez bien. Alors, adieu donc, mon amour. Le destin nous sépare, et pour abréger mon séjour, il précipite mon départ.
jour-là, je l'ai puni. Et si plus tard, peut-être, un jour, quelqu'un dit devant toi, Mozart a du génie, tu répondras, mon cher amour, que tu sais bien un peu